Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Westland 2. Dernier épisode, j'ai quand même trouvé des remèdes pour herbicides. Bon, ça, c'est une arme à énergie, j'en avais pas jusqu'à présent. Par contre, il faut. Ouais, j'ai pas la compétence pour m'en servir, donc ça, c'est dommage. Qui c'est qui a les remèdes là? C'est elle, hein. Je crois que je vais m'en servir. Parce que sinon, au bout de. Je sais pas ce qui se passe au bout de 14 200 secondes. Mais à mon avis, c'est pas bon du tout ce qui se passe. Donc je préfère pas savoir en fait. Ah, on peut le faire directement comme ça. D'accord. Ok, alors. Donc les armes à énergie, je peux pas m'en servir. Je vais appeler la radio. Copy, Echo One. Echo One, you're re- Congratulations, Echo One. Merci, c'était juste pour avoir mon niveau. J'ai 3 points, pour l'instant je ne vais pas m'en servir, je vais stocker pour avoir soit fusil d'assaut, soit commandement. Remarque, je pourrais mettre commandement. Augmente les chances de vos alliés proches de toucher l'adversaire, ouais, c'est parti. J'ai pas trop envie de stocker. Ok, pour l'instant, pas de soucis de munitions. Donc je continue à les défoncer. Sinon je vais me faire infecter encore. Une porte en métal blindé, ouais, mais elle est ouverte. Ça sert à rien, une porte en métal blindé si elle est ouverte. Je crois que j'ai envoyé mon roublard tout seul. Une caisse, ouais. Oh, ça c'est bien. Ah bah décidément, il y a pas mal de soins là-dedans. En examinant soigneusement une serrure électronique, donc ça, c'est pour le génie de l'informatique. C'est parti. Ok. C'était un générateur autrefois, maintenant c'est un IA oiseau. Ok. Non, je crois que je suis bien. J'ai tout visité. Est-ce que je continue à tirer dans tout ce qui bouge là? Ah non, j'étais loin là. Ah putain. Faut que je fasse gaffe, hein. C'est une sacrée portée. Parce qu'à mon avis, quand j'ai épuisé mon stock de 10 là, c'est fini, hein, j'en aurai pas d'autres. Bon, il n'y a pas grand chose ici en fait d'intéressant. Ouais, attention, 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 attention. Ok, je préfère me méfier parce que j'ai vraiment pas un million de doses. Il n'y en a pas d'autres. Là-bas, il y en a plein. C'est quoi ça? Oh putain, un lapin géant. Alors, lapin géant, sympa, j'en avais jamais vu. Ah, c'est... Voilà. J'ai toujours du mal à séparer mon équipe. Donc lui, il va s'agenouiller. Je crois que tout le monde va s'agenouiller et on va faire un carton sur le lapin géant.
je crois qu'il ne va pas nous échapper. S'il n'y en a qu'un. Évidemment, il n'y en a pas qu'un, il y en a trois. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je recule ou pas? Ils ont pas beaucoup de points de vie, hein. Je crois qu'ils représentent pas un danger immédiat. Ouais, si je pouvais l'achever. Ah d'accord, hein. Que dalle. Pas mal. Yes. Ça c'est hors portée. Je vais passer en mode embuscade. Elle a loupé. Oh putain, il a fait un saut. Putain, mais c'est quoi ce délire? Les lapins, ça saute pas, quoi. Heureusement que je lui fais bien mal, quand même. Je vais me reculer. Est-ce que je peux? Non. Il bouge pas beaucoup celui-là, je trouve. Oh, putain. Ah bah oui, il est à 0% évidemment. Faut vraiment que je me recule. Oh non, mais quelle chèvre! Il était pas comme ça avant. Faut que je méfie, hein. Il va vraiment falloir que je finisse par me soigner. Mais ils sont tous à 10 points de vie. Mais en fait, c'est elle la plus efficace à la longue. C'est dur de l'admettre, mais c'est elle qui fait le plus mal en fait. Merde, hors portée. Et merde. Là, je vais essayer de l'achever comme ça. Comment c'est que j'ai si peu de chance de toucher, quoi. Ouais. Ok. Bon, finalement, les lapins sauteurs, là, c'était un peu la surprise. Ils valent pas beaucoup d'XP, mais il n'empêche qu'ils font bien mal quand même. C'est bon, tout le monde a son arme. À court de munitions. Ah, c'est elle qui est à court. Je pense que j'en ai ailleurs, hein. Il lui faut du 5,56. Alors là, j'en ai un petit peu, mais je crois que j'en ai ailleurs. Ouais. Peut-être d'ailleurs faire le point sur les munitions. Ça c'est pareil, 5,56 c'est là. Lui il lui faut du 38, il lui en reste. Lui il lui reste 11 balles de sniper. Ok. Ah mais elle en a pas assez là. Elle consomme. Je vais lui en mettre 12. Recharger et c'est parti. Alors qu'est-ce que... Oh non, c'est pas parti. Demi-tour. Par contre, je vois un coffre là-bas qui m'intéresse au plus haut point. Tiens, qu'est-ce que c'est fou là, sérieux. Ça je prends, je sais pas ce que ça va valoir. J'ai ouvert le coffre en le faisant exploser en fait. Ça vaut 2 dollars. Je continue à les prendre mais. Oh joli. Je sens que je vais apprécier le pistolet là. C'est un 2. Ah non, il est moins bien, j'hallucine. 2,9 des dégâts par PA. C'est dommage, hein. À quoi ça sert
dropper les trucs. Si c'est moins bien. Bon, alors après les mouches. Ouais. Là, j'avais pas vu ça. Après les mouches, les zombies. Les lapins. Les vers géants. Qu'est-ce qu'on nous réserve? Oh merde, j'ai pas vu. J'ai complètement zappé ça. Surprise. J'ai même plus de munitions. Voilà, je vais reculer. Ouais, c'est encore un gros morceau là qui nous attend. Ah, je lui ai collé saignement. Ce qui est toujours bon à prendre. Ah, ouais, d'accord. Ça a vite en plus les... Oh putain, il y en a deux. Et j'ai oublié, entre guillemets, de me soigner. Alors, est-ce que je vais pouvoir reculer? Ouais. Là, j'ai fait mal. Bon, lui il est tellement lent que c'est pas lui qui va m'inquiéter. Quelle nunuche celle-là, sérieux. Celui-là. Ouais, j'en ai une. Elle, je lui propose de se soigner. Non, c'est l'autre. Je sais jamais. Pas envie qu'elle me claque entre les doigts. Allez, c'est parti. Non! Putain, mais quel poulet. Elle a tout faux, elle. Bon. En plus, lui, il vise à côté. Ah, là, elle a fait mal, il me semble. 14 points de dégâts, ouais. Alors, il lui reste 10 points de vie, je serais quand même tenté de le faire bouger. Ah non. Alors, ce que je vais faire, je vais le soigner. Ça s'impose, je crois. Faut que je méfie du deuxième là. Là je recule définitivement. Oh, quelle cruche. Je pourrais essayer de tuer celle-là. Ou reculer. Ouais, je vais reculer. Ah, j'ai pas de chance sur ce tour-là. Ah, bordel. Et ouais, je savais que tous mes persos étaient à moitié morts et j'avais pas vu qu'ils étaient là. Il va s'en reprendre un autre. Je la laisse à un point de vie. Voilà, enfin, elle nous fait quelque chose de bien. Je crois que maintenant j'ai plus qu'à courir.
Ah, plus de balles. Je suis un peu trop loin, je crois, là. Ouais, qu'est-ce que je fais? Je vais encore le ressusciter. Ce qu'il y a, c'est que je vais pas pouvoir le ressusciter 10 fois, j'ai quasiment plus de matériel. Et merde, j'ai perdu le contrôle. Et elle tire sur le mauvais. Ça fait quand même 2 fois qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il a? J'avais oublié ce détail. Ah putain, je vais le tuer combien de fois comme ça? Là, je peux pas le one-shot, j'espère, parce que faut pas que. Va falloir que je fuis en clair avant de le tuer. Ok, donc là, fuyons. Alors là, j'ai utilisé. Ah, j'ai pas assez de points d'action. Heureusement qu'il m'a loupé. Là, j'ai un peu peur de toucher mon homme. Et il a plus assez de points de vie, donc je vais me mettre accroupi et je vais me mettre. En embuscade. Lui il va courir. Ouais, enfin il va courir, il peut pas courir bien vite ma foi. Ah là si je pouvais le tuer ce serait cool, il lui reste combien de points de vie? Ah non il lui reste trop de points de vie. Ah remarque avec elle. C'est bon, il a pas tapé. Je vais courir. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas à combien de distance il explose. J'ai un peu peur pour mon leader. Ah, il lui reste un point de vie. C'est bon, j'étais à distance. Alors, ça m'apprendra à me balader avec la moitié de mes points de vie. J'ai dépensé la moitié de mes trousses de soins. C'était un peu n'importe quoi, j'avoue. En tout cas, j'ai quand même gagné un niveau. J'en profitais. Ah là franchement j'ai fait n'importe quoi, je m'en veux un peu. J'ai épuisé tout mon stock. Alors après il y a tous les persos qui en ont quelques-uns. Ah mais là j'ai un... Là j'en ai 3. D'accord. Bon. Eh ben c'était pas évident hein. Où j'en suis. Bah en fait j'ai tout fait je crois, je vais pouvoir... Ouais, on va rentrer dans le bâtiment qui est là. Peut-être pas comme ça d'ailleurs, méfiance. Je vais encore utiliser celle-là. Je vais améliorer secourisme, ou non, je vais améliorer arme de poing peut-être. J'ai trouvé qu'elle n'était pas si minable que ça en fait. Non, je vais améliorer l'informatique. J'ai besoin pour ouvrir les coffres et tout ça. J'ai besoin d'elle. Je sais pas si c'est bien raisonnable de dépenser toutes ces balles comme ça. Il va vraiment falloir que je fasse le... la prochaine fois.
Faut peut-être que je prenne mon roublard pour venir jusqu'ici. Je vais prendre tout le monde. Je vais pas tarder à arrêter la vidéo, mais avant de rentrer dans le bâtiment, je vais voir s'il n'y a pas des trucs par là. Déjà là, il y a un coffre. Je suis en train de dépenser toutes mes balles, ça fait mal au cœur. Alors j'ai un paquet de debuffs là, perte de sang. Ouais, ça va être enlevé bientôt. Bile de mouche, ça aussi je vais le perdre bientôt. Le papier dans ce panier date d'avant l'apocalypse. Comment se fait-il qu'il se soit conservé aussi longtemps? Je ne sais pas. Ah là, il y a une... C'est piégé à mon avis. Oh, il y a un autre truc de piégé là. Je lui fais faire ça alors que... Pff, oh putain. Je fais n'importe quoi. Je lui fais faire ça alors qu'il a plus de points de vie. Je vais faire une petite séance soin. J'ai beaucoup de trousses de secours de poche là, donc honnêtement. Ah oui, mais alors il commence à avoir beaucoup de points de vie, mes personnages. Et du coup, ça a beaucoup moins de d'impact, on va dire. Va falloir que je commence à trouver des trousses un peu supérieures. J'en ai qu'une pour l'instant du niveau supérieur, donc... Ok. On va dire que c'est bon. Il semble y avoir quelque chose d'enterré ici. Ok. C'est une mission pour Imperator. Le roi de la pelle. J'ai personne... Fin de l'effet empoisonné. Ah, ouf. J'ai personne pour l'instant qui puisse utiliser les armes à énergie. Je peux pas aller par là? Non. Non, c'est un cul-de-sac. Bon, j'ai l'impression que par là, il n'y a rien. Je suis déjà venu. Ok, bon, on va faire demi-tour. Je vais aller devant la porte et puis je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. Ça a été un peu difficile dans cette zone et à mon avis c'est que le début. Je sais pas ce qui m'attend dans le bâtiment, mais rien de bon à mon avis. Voilà, je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain matin il me semble pour la suite de ce Let's Play.